lago do Breu, sem luzes no céu nem com Deus, que venha abrasar os ateus no lago do Breu, que venha abrasar os ateus no lago do Breu, no lago do Breu. A noite não vem sem sinais que fazem tremer os mortais no lago do Breu, que fazem tremer os mortais no lago do Breu. Mas quem não for mau, não vá, que o céu não se comprará. Não vejo razão para ser quem para mim não quer viver. Sem luzes no céu, só mesmo como eu, no lago do Breu. Sem luzes no céu, só mesmo como eu, no lago do Breu. No lago do Breu, a lua nasceu, mas ninguém pergunta quem vai ou quem vem no lago do Breu. Pergunta quem vai ou quem vem no lago do Breu. No lago do Breu, os dedos da noite vão juntos para amortalhar os defuntos no lago do Breu. Para amortalhar os defuntos no lago do Breu. Mas quem não for mau, não vá, que o céu não se comprará. Não vejo razão para ser quem para mim não quer viver. Sem luzes no céu, só mesmo como eu, no lago do Breu. Sem luzes no céu, só mesmo como eu, no lago do Breu. No lago do Breu, meninas perdidas eu sei. أنت أيها الإنسان داخل الأشعار الرقيبة، وفي كل خطوة يمدها اليومي فينا نستوي بين إشراق وتردد، تردد الكلمات والفقرات في الفعل، في الصمود وفي هول السقوط. أنت أيها الإنسان من الحركات التائهة ومن السراب المتآخر في الرقصات العمودية وفي جنونها المستقر في الأعاصير، يرجو الفكر الفاعل ويتشظى مشغوفا دوما بصورته، ولا يزال يلازم رغبته كظل، ولا يزال وبين التلفظ والانشداد ينتحر الغياب في هدوء. تنبه أيها الإنسان من اللغات المباشرة في الهنا ومن ألفاظها المتصلة الواحد من الآخر، الصلاة والنداء، الغبار والريح، لا السماء ولا الأرض تثنينا، نحن أحرار وأجسادنا ريشة في هواء، رغما عن النجمات وعن العزة العميقة، رغما عن المعشوقة، ورغما عن اشتياق صهيل الجواد الراكض كبرق في الصحراء، نمر إلى أبد الآبدين دون أن نلتفت إلى الوراء، دون أن يشق العالم ظهورنا. وفي خطوات الغياب سعداء، سعداء كمحارب شامخ، كموسيقى طبول الحرب في الفضاء. تنبه أيها الإنسان من الروح المتنامية ومن
الأمال البعيدة داخل رقصات الزمان والأزمنة. الفضاءات المجردة مكتنزة متراصة ولم تزل عنادية ولم تهزم بعد. تنبه أيها الإنسان من فضاء كروي الماهية وصمت تحوم ذكرى لولبية لأجل أن تعالق الظلال ثم عليك. Mm-hmm.
profano. O mar, verde mar, em que me irmano, em ti nasceu. Mm-hmm.
Najib Ben Khalfallah est une grande figure emblématique de la danse contemporaine tunisienne. Najib Ben Khalfallah est à la fois danseur, chorégraphe et comédien. Najib Ben Khalfallah sait pertinemment que son choix d'être danseur est un véritable combat de tous les instants et un engagement pour toujours jusqu'à la mort. Najib Ben Khalfallah s'est fait agresser pour sa liberté de penser et d'être, ici, à Tunis, dans la Tunisie post-révolution. Najib Ben Khalfallah, cet artiste intègre, combat l'obscurantisme par la seule arme qu'il maîtrise avec brio, son corps. Najib Ben Khalfallah est révélé au public en 91, dans la pièce chorégraphique « Croisée » de Ahmed Jema, auprès de qui il découvrira la danse contemporaine, tout en étant ouvert et curieux à d'autres pratiques du corps, le kung-fu, la breakdance. Najib Ben Khalfallah parfait son expérience de la danse contemporaine et continue son parcours d'interprète. À tes côtés, Sérimet. Évolution, matière et mémoire, et Nuit blanche, premier prix des troisièmes rencontres de Bagnolet en 92. Najib Ben Khalfallah, l'acteur, joue dans les pièces théâtrales de la grande Rajab Ben Ammar, Tawfiq Jbedi, Hichem Rustum, et au cinéma, Najib est appelé par le réalisateur Mahdi Hmili en 2016. Najib Ben Khalfallah, durant 30 ans de création chorégraphique, danse sa condition humaine, danse son urgence, danse ce qui le dérange. Najib Ben Khalfallah danse tout simplement sa vie. Najib Ben Khalfallah se sentait le devoir de créer, de transmettre son amour et son expérience de la danse aux générations à venir. C'est ainsi qu'il fonde sa première compagnie de danse, Compagnie Najib Ben Khalfallah, et crée Métamorphose, Nouer Ouzrarid, Soupir, Grand Écart, Poussé. Il collabore avec notre grande chorégraphe, Imen Smawi, Derrière le silence, No Comment, Aventure, Mhair Sika, prix RFI à la 7e édition de Danse l'Afrique Danse en 2008. Falsou, Mnema, Shahwat Azb, Délire, Jardin d'Amour, El-Hekum Takathur, 2017, sur l'invitation du Théâtre National Tunisien. Miroir de notre société en transition, une chronique de nos espoirs avortés. Najib Ben Khalfallah est frappé par la maladie qui tape à sa porte et l'emporte. Juillet 2020, il disparaît en laissant la scène vide et orpheline. Une toute dernière révérence inattendue et foudroyante pour les artistes et les publics qui l'ont connu. Najib Ben Khalfallah, Joker, une création, 2020, était déjà en devenir. Najib Ben Khalfallah, l'artiste, tu resteras pour toujours vivant. Bravo. Un grand, grand merci à vous, vraiment. ما تنجمش تتصور الإحساس والشعور دو فوار ساعة العلاقة à travers ce travail de création chorégraphique, et je pèse mes mots en disant un travail de création chorégraphique en 5 jours ما بينك أنت ومروان ونجيب. Est-ce que tu peux nous parler Imed ou à la Marwan de cette rencontre à trois, de ce dialogue à trois, de cette conversation à trois qui a donné naissance à cette œuvre chorégraphique inédite. Ouais. D'abord, merci à vous, merci à la rue, merci à Darwash Ham qui nous a permis cette rencontre. Effectivement, on était à trois, c'est vrai, on a passé 5 jours ici dans cette belle demeure que j'adore, que de plus en plus, que je trouve jolie et qui m'inspire beaucoup. Donc c'est vrai qu'on a passé 5 jours ensemble, moi, Marwan et Najib Khalfallah. C'est vrai qu'il n'est pas là physiquement, mais il était là vraiment et sincèrement. Et je ne dis pas comme ça juste parce que je parle autour d'un projet artistique. Non, vraiment, il était là.
Et on parlait de lui à chaque instant, ce qu'il pensait, ce qu'il pourrait, ce qu'il aurait pu, dû faire. Donc, c'est-à-dire qu'on vraiment très nafi ou hayyerne, ou c'était une. والله توا سي تري شو الحكايه مي 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 فريمون اون تري تري بيل اكسبيريونس ما عرفتش انت مروان سي صراحه مات نجيب عايش فينا معناتها ما ديما موجود ديما حي في قلوبنا معايا سورتو انا نحكي خاطر عشت مع نجيب برشا حاجات ما عشتش معاه كنسان عشت معاه الشارع عشت معاه الدار وعشت معاه السيد اخر حاجه معناتها نجيب نعرفه توا عندي 12 سنه يوم كنت 3 سنين دخلانين لي عشرت وخدمت معاه خدمت معاه السيل معناتها مي اكثر الوقت البرا مع نجيب معناتها عشنا برشا حاجات هذاك علاش صعيب معناتها باش تحط كل شيء في خمس ايام ولا اما لما كانت محلاها بالحق تريز انتريسون انا جو روفيان ا فو دو مروان جو سي تو فيكو sur la scène, en dehors de la scène, les coulisses de Najib, de la vie, tout ça, on le voyait tous. C'est quelqu'un qui habite nos corps. À la traverser la ville, Najib et la ville, c'est toute une relation. Mais Najib et le silence aussi, c'est énorme. Pour moi aussi, c'était quelqu'un, un artiste très solitaire, malgré qu'il soit entouré. Voilà, dit ma femme Anès autour de lui, mais il était très solitaire parce qu'il était singulier. Najib, c'est une écriture, c'est un langage chorégraphique, c'est un langage corporel. من بيته معناتها باش ناخذ انا فوالا انا مو جو في بوزي لا كيستيون دو ليسباس اي لو شوا دو ليسباس ديجا اي او كوريغراف اي ا لانتربريت بار رابور ا كومون فوز افي فابريكي اي كو سينيفي سيت ايسباس كيما قال خاطر هو عاش برا وانا نعرف نجيب اللي هو عمره 6 سنين ولد حومه معناتها C'est-à-dire que la scène est importante, mais aussi la vie, sa maison, aussi, elle est peut-être plus importante que la scène. Oui. Peut-être. Et donc c'est pour cela qu'on a choisi, si on, enfin, bon, je réponds rapidement, un petit peu, enfin je réponds, sur l'idée d'avoir chez lui, c'est comme si on a séparé la scène, cet espace dans lequel on a joué, en deux espaces, il y a un côté scène et un côté maison. Parce que la maison, sa chambre, le miroir, il est très important. Il y a un peu de temps, le miroir. Marie, le miroir, Najib, non. Il est un peu narcissique, comme tout artiste. Un peu narcissique. Mais c'est ça qui le motive. Ou qui m'a dit, c'est vrai qu'il est seul. Et donc, il y a effectivement, il était toujours seul. Et c'est vrai qu'il avait une démarche, il avait une façon à lui. C'est-à-dire que, bon, il a. Bon, il a fait beaucoup de créations Maï, il a fait qui m'a fait une belle présentation de son parcours, il a fait le théâtre, il a fait beaucoup de pièces de théâtre. Donc il a beaucoup de bagages. Il pourrait manette composer chorégraphiquement des phrases, mais parce qu'ils sont le besoin d'être comme ça, spontané. Il prend le moment comme il est un peu désordonné, et c'est ça sa création, et c'est ça sa démarche, sa façon de voir les choses. Donc effectivement dans cette semaine je mets Adil Adil Mourana impossible mais on met la partie maison la partie personnelle de Najib la rue de Najib et aussi la scène parce que pour lui c'est un passage et d'ailleurs pour l'anecdote par Zahad Najib je ne veux pas le dire mais je suis allé voir un spectacle bon on a fait pas mal de festivals comme ça et au fait chercher des artistes comme ça il est allé voir sur scène. Voilà, c'est incroyable. De manière improvisée. Improvisée. Ok, mais parti interro, mais toujours à la fin de ses créations, il t'a la bonne charrette. Donc le cœur, un gros cœur. Est-ce que tu laisses la place à l'improvisation dans ton travail d'écriture, toi ? Comparativement en Égypte. Non. Non. Moi, je suis très technique, je suis très organisé. Et c'est ça, Roi, parce qu'il a fait avec moi cette thèse. Et donc, il va de l'autre, à l'autre sens, absolument. Oui, la question, ça, pour le samarit. وديك ما صار في السولو معناتها عملنا كل شيء ومن بعد ريمات قال لي ليبر معناتها مركب كيما تحب انت ما فماش اوردر تنجم تبدا منين تحب تنجم تعمل اللي تحب خاطر qui est trop l'ordre, je vois quand même un langage chorégraphique. Je vois une matière qui arrive et qui se pose dans l'espace, dans le langage de la danse. Il y a des bribes. Et je connais aussi le travail de Imed, comme je connais l'amal al-atibati totalement improvisé de Najib. Et on peut s'attendre à tout de Najib. Ouais. Ça peut être génialissime, mais ça peut être aussi chaotique. Il danse sa vie. Tout est très lié à ce qu'il vit à l'instant présent.
كما قلت انت معناتها يهبط من الكار ولا يهبط من المترو ولا من الترينو عاش لحظه وهو ماشي للعرض هذيك اللي باش تطلع معاها الروك العلاقه اللي عنده مع ميش اندور معناتها avec la régie il se permet tout معناتها il n'a pas de frontière de barrière برشا حاجات صاروا معنا في هيكم تكاثر هكا معناتها نكونوا قاعدين مانيش نعمل حتى شيء قبل نخلطوا لهذاك انا باش نرجع لك على اللونجاج هذايا بارابور على ليكريتور قلت لي effectivement عندكم des éléments بغيت نحب نفهم ليكريتور كوريغرافيك ولا كومبوزيسيون وكيفاش انت تبنيتها وبنيتوها مع راسكم وكيفاش تصرفت فيها خاطر جو فما اون ايفولوسيون تري كلير هو صعيب باش تشطح نجيب معناتها مستحيله الحكايه بالنسبه لنا احنا مستحيله على خط نجيب عنده بدن وعنده الحاجات اللي استعمله وعنده حاجات نتاعو هو ما ينجم يقدم كان هو دونك ما تنجمش تعاود بالضبط كيما يخدم نجيب ما حاولنا نوع عماد ان نعيشوا العيشه الكل نتاع نجيب خلف الله دارو سين كابوتو الروبا الحمراء Et même chorégraphiquement, c'est-à-dire avant de passer de la chorégraphie, je trouve la collaboration des deux, ou le jassad de Mter, que jassad d'Oulio. Quand j'ai regardé, en tous les cas, moi je me permets de le dire, parce que j'étais. C'est l'interprète. Il y a un travail par l'interprète sur la posture. Et moi j'ai senti la sueur, j'ai senti le corps, ce corps élancé, cette posture, tu as habité le corps de Najib. Et c'était présent et je sentais dans ton travail cette précision de vouloir à tout prix le faire exister au travers de ce travail en tous les cas. Hein? Ouais, mais c'est ça le travail d'un travail. Ou Marwan là, ou qui est danseur, c'est un excellent interprète. Il est habité par la danse, par son métier. Vraiment, خلي نادرة يعني vraiment إنسان يحب يسر الدومين نتاعو مي فريمون والحوايج والوقت معناتها ميليتير سان بو فريمون ميليتير نو لو فوا دون لانتربريتاسيون و اي دونك وفي كو عاش معاه في الاخر وحب في الدنيا وفي المسرح ودا شنو دونك قريب له برشا دونك الشوا دايور انت اقترحتي مروه انا صحيح اي دونك ابري اي دونك سو شوا سي اكستراوردينير دونك سي لي والله في الخمس ايام مع ربعي وسورتو اليوم ماشي وبالرسمي والله بغيرها ماشي ويلبسها شخصيه تجي سي تدير انكور ان موا يبان نوز ايتوني باش نخاف لا اون دي انا بوركوا نو او نيفو دو لا ديريكسيون ارتستيك اون ا شوازي اي عماد جمعه اي مروه نروين دابور pour son engagement dans son métier, et ça c'est clair, et tout ton combat, et tout le combat que les danseurs de ce territoire font quand, quand ils respectent leur métier, et leur art. Et le choix, à la khat, tu vois, Najib a commencé sa vie, c'est sa vie scénique, révélée au public, aux côtés de Ahmed Jemaa. Ouais. Et il a fini sa vie, et aux derniers instants à l'hôpital, non seulement dans la scène, mais dans la vie aussi, il était avec Marwan. Et absolument. Pour moi, c'est cette connexion essentielle et primordiale. Et en même temps, on a la chance, et permettez-moi, en tous les cas, de vous saluer, de vous féliciter tous les deux, deux artistes de cette dimension-là et de cette grandeur-là aujourd'hui. On ne voit plus cette danse-là aujourd'hui. Elle n'existe plus. Ouais. Cette qualité, ce travail, et de dire que ça existe, pour moi, c'est un impact sur le plan politique, de dire que c'est un métier. Et c'est du travail, et c'est un véritable engagement. Absolument. Et là, on est très fiers, nous, en tant que la rue, de vous accueillir tous les deux. Et Marwan et Ahmed. Et tu me parlais de contenu chorégraphique et de phrases chorégraphiques. Donc, je crois que même si quelqu'un vous essaye, je vais faire un peu de temps, il y a un peu comme il est, mais en même temps, il a sa gestuelle. D'ailleurs, il a quelques phrases impossibles à refaire. Mais vraiment, quand tu as كسر ركبته واحد ولا ثلاثة من نجم من هم والرافع امبوسيبل بس كي لا يسوبس دونك دو بركا هو اللي كران اللي سوبل بدا نجيب على جونب معناتها ما شاء الله اي دونك عنده اون فاريتي كوم سا دونك ميم حاب نقول لك مالغري اللي هو ياسر هكا يلام لامبرو يلام هكا اللي دون دي سونس ان بو فيد بي لي رومبلي في الانسون مي او ميم تون عنده سا جيستوال ا لوي Elle n'est pas énorme, elle n'est pas, mais elle est très importante et elle est vraiment unique. Enfin, une question, impossible à refaire. Enfin, une question qui te vient directement et elle est dirigée pour toi, Sérimède. Quel a été ton plus beau souvenir avec Najib? Waouh, beaucoup.
les génitaux au Mokho, le jour où on a eu le prix à Bagnolet. C'était à la maison de culture Bobigny 93, Esma, qui est la maison de culture de Bobigny. Farah était énorme. On a pris un petit verre à la Bastille. Donc je garde ça dans la mémoire. On a beaucoup parlé de la création. Hakina Barsa fait Moustakben la Fitounes. Bagnolet. Suite à Bagnolet. Et Rajé Ben Ahmad était présente. Bien sûr, oui. Non, mais au moment de la Kalahad, mais c'est un petit moment, c'est ça. Mais bon, j'en ai beaucoup. Hein. J'en ai plein de. Un du Hadek, les génitaux, vous mourrez au le Caire. Mais ma régène, le Masra Hatajri, il fait le le président de jury, là, je le dis comme ça. Le président de jury, c'est un Italien. Parce que quand il fait le Caire. La création Ken McKen, à l'époque, les trois prix, meilleur spectacle, meilleur travail scénique et meilleure mise en scène. Alors, ils vont déclarer les prix Rodou Al-Hachat Asbeh. La veille, j'ai eu deux ou trois articles, avec des journalistes égyptiens, comme quoi, on a dit que c'était un peu de temps, parce que c'était un peu de temps. Ou le président du jury, c'était un peu de temps, le document du festival, qui est le Yomi, qui est le Yomi. J'ai eu un mon produit que j'ai fait comme ça, je me suis dit, et ben on n'a rien reçu. C'était le choc. Je garde des mauvais souvenirs d'Égypte. Bon, du festival. Voilà. Avec Azda aussi, c'était un grand moment. On était super bien habillés, on attendait les prix, rien du tout. Ou Marouen Elle est comme ta caisse, elle est comme ta caisse. Elle est comme ta caisse, elle est comme ta caisse. L'expérience. قبل ما نبدأ نخدم في الفريق التكاثر جاني نجيب قال لي عندي بيس باش نبدا نخدم فيها مع المسرح الوطني عليكم التكاثر حضر الاسم وقتها وقال لي نحبك تكون موجود معايا في العرض هذايا وقال لي هذايا باش يكون كادو تاع عيد ميلادي نتاع 50 سنة وقتها أغلق 50 سنة هذيك يمكن هذيك أقوى حاجة عليكم التكاثر أحسن حسب ما عشت مع نجيب. Fama, une question qui est intéressante sur le contenu en fait. Comment avez-vous fait pour repartir? Est-ce que vous êtes reparti d'un matériau chorégraphique existant? C'est bien que vous parliez de la matière Limchitoumna. C'est-à-dire qu'on a la faute si on donne la méthodologie, le process. Qui fait charmant, On a vu pas mal de choses. D'abord, je connais un peu, j'ai filmé même les créations de l'alcool. On peut pas jouer Najib, vraiment je cherchais avec Pierre là. Oui, déjà il est très fier, c'est vraiment que c'est quelqu'un de très fort. Mais avec beaucoup de modestie. Alors, on a fait le travail, on a pris plus de temps, peut-être on a pris plus de temps, on a pris plus de temps. Et là, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que nous avons des choses, les 20 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire pendant 20 minutes, sachant qu'il y a des moments importants, il y a des choses, il y a des accessoires, il y a des attitudes, مشى للمسرح عمل سبيكتاكل ورجع للدار سايتي لا ترام دراماتورجيك سايتي لا ترام دراماتورجيك سي لو فيل كونديكتور عاد فيه هذاك ما حبيناش نبعدوا اكثر est-ce qu'on peut dire au public que vous avez démarré des vidéos filmées de Najib on les a regardées on les a vues on a mais bon c'était des pièces de la matière il y a beaucoup de matière et puis lui, le parcours qu'on tient à l'ouvrage, donc on n'est jamais parti de l'enfance à 41. C'est-à-dire que Najib, mais Smurf, dans le hip-hop, et les arts martiaux, le hip-hop, les danses contemporaines, ou le Houba qui est un vendeur, qui est un excellent vendeur. Il fait un peu avec les costumes, Najib, les vestes, ou la qualité de tissu, ou le Wahra, ou il y a trop de clients, il y a un chilab, ou impossible, il y a trop de clients. mais chez moi Najib et donc aucun nage à part ça fait même tout là au bout de l'heure il commence le gde ou nage ou un à l'Égypte ou la danse et donc ma femme je suis ma femme qui me regarde il traite de digit faire chier au théâtre donc il y a rien que cette partie là de sa vie très très riche les arts martiaux la danse hip hop la danse contemporaine
Il y a plein de choses, Najib, c'est beaucoup de choses. Donc nous, on s'est limité, fi hajat mouaynin. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a pu faire. J'espère qu'on a passé quelque chose d'important, de sincère. En tous les cas, on était sincère. Mais on a parlé d'ailleurs, il y a un retour des internautes énorme. Ça, ils félicitent la rue de vous avoir réunis. Bah oui, tous les deux, absolument. Re-réunis, parce que vous avez déjà collaboré ensemble tous les deux. Oui, mais pas comme ça. Pas comme ça. Ouais. Et là, c'est une autre. Il y avait une troisième personne avec nous, c'est incroyable. Wallah, vraiment. Hein. Et Malouen, parce que je sais que l'interprète, quand il est seul face aux caméras, face à son espace, face au personnage qui l'habite, Hakin Nashwayar, le sentiment que tu as eu là maintenant, tout était juste. Ton attitude, ta rythmique, la temporalité, la prise d'espace, l'écriture. On a vraiment, tu nous as permis d'habiter dans ton corps. Et ça, c'est juste majestueux. Arkid, dis ce que tu as vécu sur ces moments. كي جيت نارين الاولانيين من بعد خفت مسؤوليه على خاطر كبيره برشا معناتها مش ساهل باش تعطي حاجه هكا معناتها للناس اللي تتفرج ولا اللي هو بالذات معناتها انا كي جيت باش نعطي له حاجه اللي هو باش نعطي له حاجه اللي هو نقول له نجيب هاو شبقى مني اللي مديتولي هاو شبقى معناتها اللي عطيتولي حياتك الكل ان شاء الله قاعد فيه حتى انقصنا معناتها في بدني ولا في مخي ولا في الحاجات اللي نحسهم ان شاء الله ننجح ونعديهم معناتها من بعد ما نعرفش كيفاش تمشي الحكايه ما هذيك هي واللحظه هذه عطيني اللحظه هذه اللي عشتها توا لانستان بريزون لا عندنا ميم با 20 مينوت ولا 30 مينوت لانستان بريزون كومون تو ايتي عشت لي هو سيتي كلير دارو السين الحاجات نتاعو عشت لي هو حبيت نكون في وسطه اكثر معناتها عندك سؤال حبيت نخرج الحاجات اللي خلاهم حبيت نخرج الحاجات اللي خلاهم il y a une question parce qu'il est dans Najib donc je continue j'enchaîne avec Najib il y a une question que madame te pose comment il était au travail Marwan comment il dirigeait et obtenait des choses de ses interprètes Najib il خدم برشا على l'improvisation donc يمكن خاطر في تونس خدمت مع زوز مع عماد ومع نجيب. لي زوبوزي. 9 سنين ولا 10 سنين مع عماد ومن بعد 3 سنين اخرين مع نجوم. Ça c'est très important ce que tu dis. Samahni bchal parenthèse, merci pour la formation. Merci. Ah oui, c'est la relève. Oui, c'est la relève, merci. Samahni, قصيت عليك. قصيت عليك. عندي شانس اللي عشت معاهم الزوز معناتها بالحق معناتها. Et du coup, comment il dirigeait l'improvisation L'improvisation, نجيب العباد اللي يخليك ترشح معناتها تشيخ معاهم ما عندوش ليميت يخليك تعمل اللي تحب ما يقصش عليك هذه ما تجيش كل شيء يجي عنده كل شيء ممكن في اي وقت في اي مكان في اي زمان كل شيء يخليك تكتب ومن بعد يجي يقول لك اسمع حاجتي كامل بارتي هذي هل ركزوا على البارتي هذي ولا هل ركزوا كومون يل مونت سا بياس انا تو جي جامي دانسي افيك نجيب كومون يل اكري سا بياس معناتها سون ديبي سا فان سون ميليو كومون اسكو سي اون اسكو كي بار دان ريسي اسكو بار دان هيستوار اسكو نحكي على الاكسبيريونس نتاع هيك متكاتب بالطبيعه كي جي عنده حاجات باش يقولهم ويعرف روحه وين يحب يوصل ويعرف روحه منين باش يبدا وين باش يوفى معناتها ومن بعد الباقي كل يتخدم من بعد في الريبيتيسيون وكل شيء مي نجيب يجيب فكره واضحه معناتها ما يشقش بكش ياسر يخليك تترشق وكل شيء مي عنده من بعد يمشي يحط الحكايه هذيك الحاجه الباهيه لا انا حبيت نقول حاجه قبيله استاذك على لو تخوازيام كي تي افيك نو سو بيرسوناج اي ان فيت بور مو سي تي لا كاميرا Ils vont regarder. Ouais, c'était ça. Parce qu'il n'y a pas de public, c'est nos amis qui sont derrière les caméras, c'est les techniciens. Et bravo, alors, merci pour toute l'équipe. Absolument. Oh, c'est des jeunes, c'est le top ici. c'est la haute technologie, là. C'est extraordinaire. Mais vraiment, c'était ça. Ouais. Voilà. Ouais. Et je l'ai plus senti aujourd'hui
qu'il y avait quelque chose derrière. Et c'était là. Lui, au Malberhler. Aujourd'hui, j'ai senti Najib, je sais pas. Le problème est que vous avez partagé le regard, en fait, tous les deux. Wallah. Vous avez regardé ensemble. Vous l'avez regardé ensemble. Absolument. Voilà. Je la caméra, voilà. Donc, j'ai eu une expérience ici, comme tout, mais quelques. Mais là, vraiment. C'est est-ce que je peux poser la question sur l'univers musical de Najib, hein? C'est son univers musical. C'est son univers musical. Najib aussi, là, bon. Nostalgique par Najib. Il a des trucs très anciens. Il aime beaucoup des vieilles chansons qui le rappellent son enfance. L'RTCI, cette génération, Najib, vraiment. Mm-hmm. Il aimait les musiques contemporaines, celle de Pina Bausch, le vieux allemand, d'ailleurs avec Dominique Mercier qui était sur la table, c'est son idole, c'est-à-dire qu'il adorait ce personnage, pas seulement Pina Bausch, mais c'est lui, Dominique Mercier, avec Alice Hattiner, donc voilà, donc... Mais très bon, fait le solo, il y a une... ما يعرفهمش نجيب ما حسيت اللي كان نسمعهم ينجم يحبهم اول حاجه جيت العماد قلت له عماد باش نستعملوا الموزيكات هذوما الزوز هذوما الاخرانيين سمعتهم وقت عملناها في لوماج كاتريام مار انت عجبتك نتصور نجيب كان نسمعهم كان يحبهم على الاخر وكان يخدم عليهم هذاك علاش تحطوا معناتها في اليوم في السلو هذا باهي والعروق في الماء والراس في السماء هذه كنت تقول هو انا غلطت على خلود عاودها لي عاودها لي باش نسمعها الماء والراس في السماء الخشم بالله كان طاح يتكسر ولا كلمة نجيب حياته كلها أول درس تقرأ عنده أول درس يقرأه لك في الشارع معناتها في الأولى في السين ولا في أي شيء إيش هذا في أختي العروق في معناتها العروق في الماء والراس في السماء الخشم بالله jamais baisser la tête, à foncer, c'était extraordinaire. Bah, en tous les cas, elle est célèbre cette phrase. Hein. Oui, absolument, absolument. Tout le monde connaît cette phrase. Mais où alors, c'est incroyable, quand tu fais que tu l'as, mais vraiment sincèrement, hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, bon, moi je m'en ai des grandes créations ou voilà, un long parcours, c'est pas vrai, mais tellement il encourageait tout le monde. Et autant la balle chez Zayrat, il leur donne la possibilité. Bon, quand on joue, il fait théâtre ou quand on fait l'artiste, il a fait des stages un peu partout. Mais quand tu fais quelque chose d'incroyable, comme quelqu'un de très humble, de très honnête, qui encourage tout le monde de foncer, ne jamais s'arrêter, aller jusqu'au bout. D'ailleurs, quelqu'un te dit aller jusqu'au bout, fonce, développe, qu'elle le développe, c'est lui. كابتها من حد ولا كارفها ولا مي مو جيت انا ما سمعتش قبل على الحلم بيسك سي غراتوي اون ا دووا دو ريفي اللي يقول هذه سي مانيفيك سيتادير ك الحلم ما كانش حتى كان كارفها من حد درت ديرونج بيسك هو تبناها توتالمون معناتها جي تروفي سا مانيفيك سي فري il a rêvé toute sa vie voilà il a un peu rêvé vu que c'est gratuit donc n'est-ce que t'as il a rêvé dans le combat c'est important c'était un grand combat quand même mais il n'a pas on le sait il n'a jamais cessé de rêver enfin absolument ou il pouvait aller ailleurs Najib a choisi d'être en Tunisie il aurait pu faire carrière ailleurs pour Adlanet il y a un engagement total de l'artiste sur son territoire à tous les niveaux, sur le plan de la transmission, sur le plan de l'engagement autour de la politique, tout ce qui anime le statut de cet artiste dans sur notre territoire, et tout le combat qu'on mène tous, et Najib était au premier rang. Et il n'avait pas la langue dans la poche. Quoi. Ah oui, hein? Bien sûr. Il n'avait pas la langue dans la poche. Il a passé un an en France, il a passé un an en Italie ou en France, voilà, donc oui, il a cru qu'on kiffait en arabe, fi Tunis. C'est pour ça que je te dis ça. Si tu avais quelque chose à lui dire pour l'avenir. Non, il le sait, il y a le domaine, il y a le sri, boura, rien que fi l'espace de 10 ans ou la 10 ans, il y a des hauts et des bas, ce jeune interprète, ce chorégraphe. وعرف لي صعيبة برشا فريمون دونك سي تادير كو واحد يخمم تو باش معناتها إلي أونكور جون دونك قدامه 30 سنة أو ميم بلوس على حتى 100 سنة واو
Bah, peut-être, mais les jeunes, ils ne sont pas. Parce qu'on n'a rien, là. Avec Alej. Mais. D'ailleurs, on a rejoint Najib, parce que Najib était le seul à vouloir. C'est-à-dire, Hab aussi. Il a eu Jiré Ali. Mais bon, à un moment, moi, j'étais fatigué, ça y est. Vas-y, fais-le toi-même, la room. Donc, le domaine, c'est Barça. C'est incroyable. Et donc, mon cousin m'a fait avec Ramadine Ilium, les jeunes. Et qu'elle mette la mouche, une autre mouche, je ne sais pas comment ils vont faire. C'est un travail physique. Mais en même temps, ça aide Barça. Quand je vois ce travail aujourd'hui, quand je vois le travail de ce corps, quelles sont les écoles qui ont, c'était des chorégraphes. Il a travaillé avec aussi des gens qui ont développé leur propre langage. Ni ballet, ni académie, ni zmamar, ni rien du tout. Et donc, c'est au travers de ce frottement, de cette pensée. Quand tu dis Imed Jemain, c'est un univers. C'est tout un langage du corps, c'est tout un langage chorégraphique, c'est tout un, et on en passe, et l'autre fil Abdelie, et Bidolin, et Najib Ayodor Azalour, Najib Khalfallah, et toutes, mais et ces gens après ils ont fait aussi leur parcours, et c'est ça qui est magnifique, et ils se défendent par leur corps, tu vois, tu ne peux pas, c'est incontournable, dans l'histoire de la danse contemporaine en Tunisie, c'est incontournable, Manita. Et malheureusement, effectivement, voilà, il y a toutes ces problèmes, mais c'est des gens qui ont aussi une grande place, et sur le plan national, mais aussi sur le plan international. La danse contemporaine dans les années 90 était pionnière, et personne ne nous égalait, ça c'est clair. Et c'est des choses très importantes qu'il faut être, dont il faut être très conscient. Et je sais que Najib a aussi s'est battu, tout ça, mais à un moment donné, c'est Don Quichotte, quoi, hein, et les moulins à vent. C'est vrai, donc. Et Malouen doit aussi voler de ses propres ailes, continuer le combat, et de toutes les façons, il est dedans. Mais il fait partie de la troisième génération, c'est la génération du centre chorégraphique méditerranéen. Donc chacun a sa propre démarche, a sa propre compagnie, ils font des créations. Malouen, il a des belles créations. Il y a Marni. Omar Hussein Bedis Wajdi Geg qui dirige un festival à Gaza, Karim Toyman, Nesrine Chaboun. Bon, la génération théâtre de la danse, Nesrine Chaboun. Donc voilà, Il y a quelqu'un qui nous dit on croira en la Tunisie ensemble, pas de nostalgie de l'action, et tous ensemble. Regardez le chemin que vous aviez tous parcouru, c'est énorme. Moi je veux lui dire à cette personne là que c'est pas nostalgique du tout, mais il fallait rafraîchir les mémoires, parce qu'on oublie très très vite sur ce territoire là il y a des gens qui ont 40 ans d'expérience, 40 ans de vie, 40 ans de combat, de travail au quotidien. C'est des artisans du corps, c'est des gens qui ont un vrai métier et qui méritent aujourd'hui d'être considérés. C'est pour moi, c'est ce qui est le plus important. On voit la relève, on voit l'avenir, ça ne va pas arrêter. C'est extraordinaire de mener la danse en Tunisie. Complètement. Pourquoi pas un peu de nostalgie, cher ami. Mais il faut savoir qu'il y a une belle génération qui est en train de créer, et cette année, il y aura un minimum 15 nouvelles créations. Donc, de temps en temps, un peu de nostalgie, c'est de rappeler. Il y a des gens qui ont vécu et qui ont exercé en Tunisie. C'est-à-dire, je reviens à Taouane à 35 ans, parce qu'on n'a pas d'historien, on n'a pas de livre, il n'y a pas de institution qui s'occupe un petit peu de l'historique, un peu. Mais il y a des gens qui ont dansé il y a 40 ans. Moi, je rends hommage aussi, là, je ne sais pas le cas, mais à Samir Mahfouz, à Sadok Meshaben, à Mohamed Meshaben, à beaucoup d'autres danseurs qui, Khidmo dans les années 60 et 70 et 80 ou 90. Voilà, donc de temps en temps, un peu de nostalgie, ça fait pas mal. Alors, merci Najib, merci Malouen, merci Imed. Il est vivant, il restera toujours vivant. Un grand merci, on est très heureux en tous les cas. La Tunisie ne peut être que fière d'avoir des artistes comme vous. Merci pour l'engagement et merci pour la qualité et le précieux du travail.
Et quelle fierté de pouvoir collaborer avec vous. Et beaucoup de gens nous disent, mais il faut continuer le projet et le développer encore plus. Ben, donc voilà. C'est à toi. Merci à toi voilà. aussi. Tu es aussi danseur, excellent danseur. Non, et chorégraphe aussi. Ah ben, il faut encore de la chorégraphie aussi. Merci. Allez voir ses créations. Merci aux internautes de nous suivre en tous les cas. Et quand vous suivez nos artistes, c'est aussi une manière vous, de vous engager auprès de ces gens qui sont au combat. Et donc vous êtes aussi au combat avec nous. Et on est là pour défendre les individus, pour défendre les droits humains, pour défendre les droits de ces artistes qui sont aujourd'hui à la rue et dans la rue, malheureusement. Mais on est de tout soutien avec ces artistes. Voilà. Et bonne soirée à tous. Merci. Et ce n'est pas fini. Ça continue. Merci.